to your favorite modern world. Bonjour tout le monde, nous partons aujourd'hui au pays des kangous. 13 à 18 heures d'avion avec escale, le cauchemar absolu pour une personne comme moi qui déteste les voyages. Par chance, à l'ère du numérique, il est possible de découvrir l'album d'un groupe australien le jour de sa sortie sans décalage horaire. Voyager est une formation avec laquelle je ne suis pas toujours en phase, même si je reconnais le talent évident de ses membres. Ceci dit, lorsque j'ai écouté les premiers extraits de Fearless in Love, j'ai aussitôt commandé l'album. Il est arrivé un 14 juillet et du fait des restrictions imposées par la sécheresse qui sévit dans notre région, c'est lui qui a été mon feu d'artifice. Les 5 titres proposés lors de la précommande m'avaient tout simplement bluffé. Et si dans les 6 autres, certains se révèlent moins percutants, Fearless in Love monte sur le podium 2023 de ce pas. 11 pièces pour 3 quarts d'heure de musique, le nouveau Voyager concilie pop progressif, métal et électro avec brio. Une sorte d'incroyable mélange de Muse, Devin Townsend, de Pineapple Thief et Lepros. Dans l'album, il y a des titres Synthwave 80s, matinée de métal façon fête foraine, comme dans le fameux Dreamer ou encore Promise et Daydream. Voyager possède un côté métal festif, un évident côté Eurovision commercial qui aurait dû m'énerver au plus haut point et que, aujourd'hui, je surkiffe. Comme quoi on peut changer. Vous me direz si c'est en bien ou en mal. La pochette bleue, deux mains entrelacées façon yin et yang, se décline au dos du vinyle. Car oui, après avoir acheté le digital, j'ai craqué pour la galette 33 tours. Bref, se décline au dos à la manière de Léonard de Vinci dans la création d'Adam. Une main ouverte masculine dans le bleu océan et un doigt tendu féminin dans l'azur. À l'intérieur, sur deux panneaux, deux mains sur fond rouge s'agrippent. Un artwork qui évoque le couple, l'amour, comme le titre « Fearless in Love ». Par contre, les textes, pleins de répétitions et de trucs étranges, ne m'ont pas beaucoup éclairé sur leur sens. Alors je me suis concentré sur la musique. J'ai parlé au début de cette chronique de titres un peu plus faibles. En réalité, il n'y en a qu'un, « The Lamenting ». Une pièce nettement moins bling-bling que Ultraviolet, par exemple, et qui me fait penser à du The Pineapple Thief. Le titre m'a dérangé à la première écoute de l'album, maintenant il a trouvé sa place dans Fearless in Love, et je n'ai plus rien à lui reprocher en fait. Le nouveau Voyager est sur le podium, juste à côté de 16 de Einar Solberg. Seul le temps et les écoutes pourront peut-être, je dis bien peut-être, les départager. Deux albums majeurs de l'année à découvrir d'urgence. Si avec ça, vous ne trouvez pas votre bonheur, moi je ne peux plus rien pour vous. On essaiera de vous proposer, malgré tout, autre chose lundi prochain. D'ici là, soyez sages et bisous !